بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Bienvenue à tous pour une nouvelle petite vidéo dans laquelle on va décortiquer un sujet qui est très intéressant. Alors sans vouloir vous spammer ou vous inonder d'informations comme on peut le voir de partout sur la reine Elisabeth, il y a un élément très intéressant qu'on a vu dans certains médias français sur lequel on a voulu rebondir. Cette information est la suivante, le fait que prétendument la reine Elisabeth et la famille royale et la couronne britannique seraient des descendants direct ou indirect du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le but de cette vidéo, c'est de répondre à cette question, mais d'apporter des éléments de réponse beaucoup plus larges en essayant de décortiquer point par point ce point-là et d'apporter quelques petites notions culturelles pour tous les musulmans. C'est parti, inshallah. La première question qui se pose, c'est qu'est-ce que la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Alors bien évidemment, sa famille n'est pas une famille normale pour les musulmans, c'est une famille qui dispose de certaines spécificités et de certaines bénédictions qui lui sont propres, comme nous allons définir maintenant. Qui est donc cette famille que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eue et que Dieu nous demande dans chacune de nos prières, lors de notre tashahhud, de bénir et de saluer à chaque prière plusieurs fois par jour, une dizaine minimum à chaque fin de cycle de prière. Lorsque l'on dit Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Donc Dieu, dans chacune de nos prières, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de passer les salutations et les bénédictions à la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui sont-ils? Jusqu'où pouvons-nous aller pour définir qui est la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Déjà, premièrement, c'est un sujet sur lequel il y a eu des divergences entre les ulamas de l'islam. Certains ont défini la famille comme étant les descendants stricto sensu, les Banu Hisham uniquement, et ont écarté les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'autres ont mis les Banu Hisham et les Banu Abdul Muttalib, et ont inclus également les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est l'avis majoritaire des musulmans, c'est que les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam font partie de la famille prophétique. Allah Azza wa Jal dans Surat Al-Ahzab, il parle aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il les mentionne comme étant Ahl al-Bayt. Ceci est l'argument sur lequel la plupart des savants se sont positionnés pour dire que les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam et leurs descendants font partie de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, une petite particularité très intéressante, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu des garçons et des filles parmi sa descendance et tous ces garçons, comme Al-Qasim et Ibrahim, ont perdu leur vie lorsqu'ils étaient petits, donc ils n'ont pas pu avoir de descendance. Pourquoi? Car la prophétie divine, notamment avec le pacte qu'Allah subhanahu wa ta'ala a eu avec les prophètes Ibrahim et Ismaïl, se transmettait par les garçons. Donc par exemple, le prophète Ibrahim a eu des enfants, qui ont eu des enfants, qui ont eu des enfants, notamment du côté d'Ishaq alayhi salam, et qui ont eu notamment du côté d'Ishaq alayhi salam, et que l'on appelle les Banu Israël. Et ces Banu Israël, ces enfants d'Israël, ont eu plusieurs prophètes qui descendaient les uns derrière les autres, et même il y en a certains qui ont eu le statut de prophète roi, comme le prophète Suleyman ou le prophète Daoud alayhi salam. Donc, la prophétie est quelque chose qui se transmettait par garçon. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le dernier des prophètes. Donc du coup, il fallait que cette prophétie s'arrête et il fallait démontrer de manière catégorique qu'il n'y a pas de prophète après Muhammad pour ne pas qu'il y ait des sectes qui viennent après la mort de Muhammad prétendre adorer, vénérer ou donner une importance trop véhémente aux descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le font certains groupes ou certaines sectes comme les chiites par exemple. C'est pour ceci qu'il a gardé qu'une descendance féminine, notamment au travers de Fatima radiallahu anha, de l'Hassan et de l'Hussein, puis de leurs enfants. Ainsi, le problème qui se pose, maintenant que nous savons qui est la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que nous avons beaucoup de gens qui s'affilient à cette famille. Ainsi maintenant, pour mettre les pieds dans le plat et répondre à cette question, c'est est-ce que la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam contient dans sa lignée actuelle la reine d'Angleterre Elisabeth II? Avant de répondre à cette question, Allah subhanahu wa ta'ala, toujours dans Surat Al-Ahzab, il nous dit de faire très attention aux informations que nous voyons au travers des médias et au travers du monde entier. Allah nous dit dans le Coran, « Ya ayuha alladhina amanu, idha ja'akum fasiqun binaba'in, fatabayyanu, an tusibu qawman bijahalatin, fatusbu ala ma fa'altun nadimin. » Ô vous qui avez cru, faites attention. Si quelqu'un vient avec une information vous voir, vérifiez-la avant que vous ne la suiviez, puis que vous atteigniez quelques peuples ou quelques gens d'un mal, et que vous finissiez par regretter ce que vous avez dit ou ce que vous avez fait. Le Coran nous demande de faire attention à ce qu'on appelle les fake news depuis 1400 ans, depuis même avant que l'on ait des médias ou des gens qui s'amusent à dire non, ça c'est une fausse information, fake news, etc. Il nous dit de faire très attention à qui nous transmet l'information et de vérifier
si elle est fiable ou pas. Là, en France, nous avons deux médias connus de tous, qui sont CNews et France TV, qui nous parlent de cette prétendue hypothèse de la filiation de la reine d'Angleterre au prophète alayhi salatu wassalam. Alors on va lire ces articles tout simplement. Nous avons CNews qui nous dit dans un premier temps: les historiens se sont penchés sur l'arbre généalogique de la monarque de 91 ans en remontant près de 43 générations. Une généalogie qui compte des personnalités illustres comme la reine Victoria ou Marie Stuart, mais aussi de grands noms de l'Espagne médiévale musulmane, dont Fatima, la fille de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En descendant du prophète musulman, la reine d'Angleterre serait donc la cousine de Mohammed VI et du roi Abdallah II de Jordanie. Parce que le roi Mohammed VI et le roi de Jordanie, ce sont des rois hachémites qui s'autoproclament comme faisant partie de la descendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc du coup, ce seraient des cousins très lointains. Mais si on part de ce cousin-là en remontant 40 générations avant, on est tous des cousins vu qu'on descend tous de Adam alayhi salam. Mais vu que certains pensent que nous descendons du singe, il est très difficile dans ce cas-là de leur faire comprendre que cet argument ne peut pas tenir. La révélation de ce lignage a fait surface à la fin du mois de mars dans un journal marocain, Al Usbour. L'auteur de l'article, Abdelhamid Al-Aouni, y voit un pont entre nos deux religions et nos deux royaumes. Dans le même temps, le forum Arab Atheist Network, rapporté par le Daily Mail, on pouvait lire: la reine Elisabeth II doit revendiquer son droit de gouverner les musulmans. On va jusqu'à demander aux musulmans d'accepter la légitimité de gouvernance de la reine Elisabeth en devenant ses sujets. Mais en réalité, cette thèse est connue depuis les travaux controversés de spécialistes généalogiques Burke Peerage en 1986. Donc, en réalité, cette thèse, elle existe depuis 1986. La reine elle-même, qui dans le château de Windsor dispose de toute sa généalogie depuis la nuit des temps, n'a jamais parlé de ceci, ni personne dans la famille royale, ni même personne parmi les experts de la famille royale britannique. D'ailleurs, le directeur des recherches de Peerage avait écrit à la première ministre, Margaret Thatcher, pour l'exhorter à augmenter la sécurité de la famille royale. Donc là, on va prononcer une citation de ce chercheur: peu de citoyens britanniques savent que le sang de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam coule dans les veines de la reine. Toutefois, les leaders musulmans, eux, le savent et en sont très fiers. Alors premièrement, il faut remettre les pendules à l'heure. En islam, bien que la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam est saluée et bénie par tout le monde au travers de ses prières, ne dispose pas de privilèges particuliers d'un point de vue religieux, moral, actuel. D'accord? Il n'y a aucun texte qui dit que 100 ans ou 200 ans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses descendants auront droit à des privilèges. Bien au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été même extrêmement strict à l'égard de sa famille. Et il a dit à sa fille Fatima: « Ô Fatima, crains Allah, et si jamais tu venais à commettre une faute, une turpitude, alors j'appliquerai sur toi le double de la peine ou de la sentence qui doit être applicable. » C'est-à-dire que je serai deux fois plus intransigeant à ton égard qu'à l'égard des autres musulmans. Ceci pour faire comprendre à Fatima qu'elle n'a pas de passe-droit et qu'elle n'a pas de privilège. Donc, quand bien même la reine d'Angleterre serait de la descendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout en étant musulmane, elle n'a aucun passe-droit sur les musulmans, sauf si elle a un statut de gouvernance, comme le peuvent avoir certains monarques, si leur lien d'affiliation avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam est avéré. Maintenant, le deuxième point. Le deuxième point, c'est que l'affiliation en islam, elle s'opère principalement par le lien non pas de sang, mais le lien de croyance, le lien de credo, le lien du tawhid, de la ilaha illallah. Il se peut qu'une personne soit le descendant de quelqu'un d'autre, mais qu'elle soit rejetée par Dieu dans la lignée parce qu'elle n'applique pas la même croyance ou la même religion. C'est l'exemple du prophète Lot alayhi salam. C'est l'exemple avec son épouse. C'est l'exemple du prophète Nuh alayhi salam avec son enfant. C'est l'exemple d'Ibrahim avec son père. Les prophètes ont rompu des liens d'affiliation directe avec leur famille lorsque ces dernières ont décidé d'adopter une croyance différente. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que cette personne reste notre père, notre mère ou notre frère, mais d'un point de vue idéologique, d'un point de vue moral et d'un point de vue du suivi, il n'y a plus cette affiliation directe et il perd le statut de famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir de Ahlul Bayt. Donc à partir du moment où, même si c'est avéré, la reine d'Angleterre serait une descendance par concours de circonstances du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et bien à partir du moment où elle décide d'épouser la religion chrétienne ou l'église anglicane, et bien elle n'a plus d'affiliation que ce soit. Le dernier point, c'est concernant cette histoire, est-ce qu'elle est réelle ou pas? Eh bien, tout simplement, en scrutant et en travaillant sur ces arbres de généalogie, on se rend compte que la femme qui, entre guillemets, descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec lequel l'un des prédécesseurs de la reine d'Angleterre se serait marié, n'était pas une descendante du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais était elle-même l'épouse d'un des descendants, donc ils se sont simplement mariés, puis concours de circonstances dans l'Espagne andalouse, ils ont été amenés à se séparer,
et elle s'est remariée bien après, en ayant été convertie de force au catholicisme, à l'un des nobles et des notables de la cour espagnole qui, par la suite, s'est affilié avec la cour britannique, etc. Donc il y a un lien d'entrecroisage, mais pas un lien d'affiliation. Il n'y a pas une descente directe entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la reine Elisabeth, mais il y a eu un moment de l'histoire où les liens d'affiliation se sont joints pour se séparer par la suite. C'est comme ceci qu'Allah fait. Comme vous le savez, par exemple, le prophète Ibrahim alayhi salam a été visité par le prophète Lot par concours de circonstances. Et il y a beaucoup d'histoires comme ceci où des liens d'affiliation se réunissent et se séparent. L'oncle du prophète, Abu Lahab, est connu et reconnu dans le Coran comme étant quelqu'un de damné en enfer. Pourtant, il faisait partie de sa famille, mais il a décidé de choisir une autre voie. Ainsi, faites attention à toutes ces informations que l'on voit sur Internet. Nous demandons à Allah Azzawajal de passer les salutations à notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons également à Allah de nous faciliter sa rencontre le jour dernier et de faire que nous soyons parmi ses disciples et parmi ceux qui le suivent, puis parmi ceux qui resteront éternellement avec lui dans les jardins d'Éden. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très vite, Inch'Allah ou Ta'ala, sur Jannah Télévision pour une nouvelle vidéo. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.